et en début de saison, elle avait disputé les championnats du monde à Osaka pour ses premiers mondiaux. Con tus pocos remedios y tus grandes historias, es difícil quererte, no puedo ni verte, adiós a la euforia, ya no quiero más daños que me has dejado rota, ya no puedo ni verte, no quiero quererte, lo nuestro es historia, tus labios de pour ce programme de Logan Shield. Logan Shield qui nous a passé un bon double axel en début de programme. En fin de programme. Oui, triple boucle piqué, on notera également. Et puis un triple flip, triple flip. Alors c'était triple flip et c'est la seule concurrente à avoir fait une combinaison avec un triple. On a pu voir un triple boucle. Et surtout en toute fin de programme, le double axel en toute fin de programme, ça va lui faire des points. Et c'est vraiment la seule patineuse avec une combinaison triple-triple aujourd'hui. Donc un excellent programme de Laurine. Là ici on revoit le triple boucle. Aujourd'hui c'est assurément le programme le plus solide. Le sûrement. Plus accompli. Hein. Oui, je... Sans m'avancer de trop et sans être bien sûr juge de la compétition, peut-être devrait-elle prendre la tête du programme court dans quelques instants. En tout cas, la surprise de ce programme court, c'est quand même l'excellente performance de Stefania Gladky. Oui, vraiment une surprise totale qui vient assurément prendre soit la première, soit la deuxième place, nous verrons bien, à l'issue de la note de Laurine. Et on l'entendait tout à l'heure, hein, Léa qui disait ça va être difficile maintenant pour elle d'aller chercher ce titre et de conserver sa triple couronne. Bien sûr, nous verrons bien l'avance que prend ou pas Laurine, mais a priori elle est souriante en fin de programme. On la voit avec son coach. Avec Malika Tahir. Bien sûr. Qui était à votre place hein, d'ailleurs l'année dernière, hein, puisque elle nous avait fait l'honneur de commenter l'épreuve des garçons. C'était pas facile pour elle hein, parce qu'il fallait avoir un œil aussi sur certains garçons hein, parce qu'elle est non elle est avec les couples. Elle aussi. Elle entraîne des couples aussi. Ouais, bien sûr. Pas la même règle.
réaction que d'habitude. Hein. Ben là, on a fait coucou, il y a eu un grand blanc. Alors que quand c'était en grand prix. Ouais. Et on pourrait noter déjà que le classement est très resserré finalement entre les quatre premières jeunes filles qui se tiennent pour l'instant à quelques points d'écart finalement. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, on attend la note de Laurine qui probablement devrait monter au-delà de 60 points. Voilà, elle monte à 66,5 Laurine. Et qui s'installe donc pour l'instant en première position au classement provisoire. Maxime, je vais vous laisser un court instant. Nous, on se retrouve à 16h15 pour les couples. Et puis, on va aller recueillir les impressions de Laurine. En attendant, je vous propose de revivre et de revoir quelques-unes des plus belles images de ce programme court chez les dames.